Ruth Mora Dabanga Kousseri. 9 batteries de 3 buses, un dallo double, une première couche de fondation, un avancement au contrat de base de 30%. Instruction du ministre, une veille permanente. C'est là une description brève de cet exercice de revue des projets supervisés par Emmanuel Ganoudjou Messi qui passe au scanner les projets routiers. Premier examiné, ceux des régions septentrionales. La revue trimestrielle, elle est quasi importante, ça permet de cerner les principales contraintes que les projets ont. Le ministre a donné des instructions pour que les solutions idoines soient prises pour diligenter le problème. Enfin, disons qu'au niveau des financements, c'est toujours bien pour une entreprise d'avoir un projet à financement de ce type. Parce que lorsqu'on a des projets à financement par des bailleurs, c'est rassurant. On est au moins sûr que les fonds alloués sont disponibles. Mais qu'à cela ne tienne, nous rencontrons quand même quelques difficultés au niveau de la lenteur de paiement. Même constat pour les routes Bagno, Mayo d'Arlé, Nyamboya, longue de 147 km, Dungaoundéré, Paro de 69 km et le pont sur le fleuve Logone entre Yagoua et Bangor au Tchad. Les infrastructures, d'une moyenne d'exécution de 30%, souffrent des mêmes maux. Les intempéries, le manque de carburant, le manque de fonds. L'étude étant bouclée, la fin de la saison de pluie étant, on va directement s'attaquer aux travaux. Et vous savez, les projets génie civil ont ce donateur commun qui fait que le démarrage est toujours difficile, surtout quand on est enclavé là-haut. Et donc, on mettra toutes les batteries en marche pour attraper les délais. Il y avait une crise économique et le carburant avait été très difficile à avoir pour le cadre de notre projet, qui est très très éloigné. Et ces difficultés également sont liées aussi par rapport au fonctionnement même de la mission. Les décomptes qui sont faits, qui ne sont pas encore également payés pour les entreprises et qui les traînent. Peut mieux faire. C'est alors l'appréciation globale du patron des travaux publics pour ce qui est de ses premiers projets examinés.